Il faut tenir cette ligne. Nous venions du monde entier, pensant que cette guerre serait notre rite de passage, notre grande aventure. Laissez-moi vous le dire, ça n'avait rien d'une aventure. De nouvelles machines de mort, comme les chars, ont modifié la guerre du jour au lendemain. Heureusement, la plupart étaient dans notre camp. La plupart. Engage son fils porté à l'église! Il faut avancer! L'infanterie compte sur nous! Feu avec cette mitrailleuse! Balayez le sol! Continuez, pilote! C'est un autre pilote là-haut! C'est par terre que ça se passe!
tranchées. La mitrailleuse, achalée. On les a mis en fuite. Continuez. D'aventure, nous avons connu la peur. Car à la guerre, nous sommes tous égaux devant la mort.
Ils poussent. On pousse. De temps en temps, on pousse assez fort pour que la lumière perce à travers les nuages. Et on voit briller un monde au-delà de la guerre, juste hors de portée. La guerre est le monde, et le monde est la guerre. Mais derrière chaque viseur, il y a un être humain. Nous sommes ces gens. À la fois blasés et naïfs. À la fois hommes d'honneur et criminels. Nous sommes des légendes à venir, et des oubliés de l'histoire. Nous sommes les chevaliers des cieux, les fantômes du désert. Et les rats dans la boue. Voilà nos histoires.